Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, pour ceux qui suivent la chaîne, Roger, mon 807 est planté. Donc aujourd'hui, on est avec Benjamin. Benjamin, il est là, voilà, guitariste. Et on va vous faire visiter Planète Sauvage. J'espère que ça va être bien. Bon, vous direz dans les commentaires hein, si c'est bien ou pas. Et eh bien, bonne vidéo. Allez. Ciao. Vous êtes prêts ou pas? Oui. Ouais. T'as pas trop peur de te faire manger par les lions? Bah, en plus, là, il y a trois enfants. Souvent, quand ils voient des enfants dans les voitures, ils demandent est-ce qu'il y a un enfant qui veut bien les donner à manger aux lions, parce qu'ils se nourrissent de petits enfants, les lions. Hein. Bah, c'est souvent la plus petite. Moi, en général, c'est ça, souvent. Ouais. Bah, Clément, ça va toi, malheureusement. Hein. Il m'a fait la même blague, il m'a jamais mangé le tigre. Donc, ah bon? Faut pas y croire avec mon père. Ah bah d'accord. Ouais, il faut sûr c'est des blagues. Hein. Allez, on attend, on est dans la file d'attente pour rentrer dans le parc. Et on a hâte. Et on est entouré de Peugeot. Ah, que de la Peugeot. Mais je filme pas parce que après je vais être obligé de flouter les plaques d'immatriculation. Oui. Donc ça c'est pas cool. Allez, on arrive, chemin de Brousse, Cité Marine, on ira voir le spectacle des dauphins tout à l'heure, c'est à 15h15. Il y a le sentier des Incas. Allez, on va visiter. C'est parti. Là, les autruches. Donc, attends, t'es demandé qu'il n'y avait que deux rhinocéros blancs dans le monde. En liberté, peut-être. Ah, le rhinocéros. Non. Oh. Moi, le rhinocéros, ça me fait penser aux armures dans la planète des singes. Ah oui, oui. Non, ça aussi, elle le fait vraiment. Mais c'est une expression, on dit quand on dit faire l'autruche, ça veut dire quand tu veux pas voir quelque chose. Vos épaisses. Ouais. Ah ouais. Elle est pas noire. Ça veut dire que c'est peut-être une jeune ou alors une femelle. Ou une jeune, je pense, un jeune. Ou alors il a des problèmes cardiaques. Non, je pense pas. Non. Le rhino, on dirait qu'il bouge pas celui-là. Ah si, il bouge. Sinon, tu dirais quoi? Voici fesses. Et où c'est que tu rigoles? Tu fais caca peut-être. Bah, c'est pas peut-être. Hein. Il y a un moment, il va faire caca. Hein. Peut-être pas tout de suite. C'est énorme. Moi, j'aimerais bien passer quand il fait caca. Il y avait l'hippopotame, il a fait. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bœuf. On va rentrer. Oryx. Oryx Algazel. Là, ils sont pas loin, regardez, c'est cool là. Juste à côté. Papa, tu peux déterminer. Ah, c'est pas mal hein, comme zoo. Papa, tu peux déterminer. On n'a pas le droit, c'est interdit. Ah. Ça a l'air sympa en fait. Il y a carrément des maisons. J'ai l'impression qu'on peut passer la nuit ici. Ça vous plaît ou pas? Nous, ça nous plaît. Hein. Pour le moment, on n'est pas déçus. Allez, on continue la visite. Il est chaud. Viens nous voir. Il est chaud patate, lui. Non, non. Le seul point un petit peu négatif, c'est que en fait, toutes les voitures sont à la queue leu-leu. Niveau pollution, c'est pas génial. Moi, je dirais que, enfin, avec Benjamin, on se disait que
la nouveauté dans ce parc, ce serait des petites voiturettes électriques là, comme sur les parcours de golf. Ce serait génial. Hein? On est sur. Je vais faire la fiche technique. Ouais. On va budgétiser tout ça. C'est ça. On va tout leur vendre. On appellera comme zoo, on l'appellera le zoo, le double dièse. Le double dièse ou le double bémol. Ouais, les bémols, ça fait un peu. Ouais, down. Un petit double dièse. Non, faut qu'on leur vende des concerts, on va leur vendre des concerts. Ouais. Allez, nous voilà dans les plaines d'Afrique. Alors, il y a hippotrague noir, adax, impala, dromadaire. Et ils sont là. Allez, je fais un petit zoom. Les hippotragues, ils sont bien, bien tranquilles. Ça a l'air d'être tranquille comme bébé. Ah, il y en a un qui est sur la route. Ah. Excellent. Et tu arrives pas mal à ma superbe voiture avec tes cornes. Hein. Excellent. Ah, faut pas ah oui, il faut se slalomer, c'est pour ça. Ah oui, il a un beau chien. Excellent. Elle rentre 5, elle. Salut. Coucou. Attention, le temps avec le temps. Il y en a une autre là. Ouais. Ah, il y en a une autre là-bas. Regardez. Oh là, le caméraman va être vraiment proche. Allez. Un petit sourire. Coucou. Un petit sourire pour les abonnés. Coucou. C'est long. Oh, les grandes cornes. Ouais, on fait attention quand même. Hein. Oh, ils se font des câlins. Ils se font des câlins. Il y a deux gars, je vais le faire. Joue à crinière, tiens. Ok. Fermez vos vitres. Ah, fermez vos vitres. Les vigognes. Je ne sais pas, les vigognes. On dirait une espèce de mini lama en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça vient d'Amérique du Sud. Ouais, ouais, mini lama. Ouais, mais ça marche comme un lama. Ouais, ouais, c'est vrai. Là. Oui. Ah, il a une crinière noire. On est un espèce de gros renard entre un renard et un loup. Ah, c'est balèze. C'est hyper grand, hein. Ouais, c'est vraiment... C'est un Doberman. Un peu, ouais, c'est limite une hyène, ouais. Un espèce de chien énorme. Bah, c'est un loup, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même génial, hein. Il est juste à côté. Ah bah là, il est pas loin. Ça va, Pépère? Tu nous fonces pas dessus. Hein. Ah, le mastoc truc. Ouais, mastoc. Hein. Waouh. T'as une vache à côté, c'est de la rigolade. Ouais. Et voilà. Donc le parcours en voiture est fini et puis bah là nous on va aller manger un petit peu, se restaurer et ensuite on va vous montrer bah, le parcours à pied. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et on va aller dans l'enclos des singes. Alors, bon, bah, nous voilà repartis sur la piste. Faut pas que je regarde là, faut que je regarde la caméra ici. Nous revoilà repartis sur la piste. Donc, vous ne vous ferez pas avoir comme on s'est fait avoir. Parce qu'en fait, on s'est arrêté au kilomètre 5 pour déjeuner, notre pique-nique, voilà, impeccable. Mais sauf que nous, on croyait que c'était fini. Et c'est en allant aux toilettes, il y a une grosse pancarte, vous êtes ici, on se regarde, ah mais c'est pas fini en fait. Et là, on est un peu à la bourre parce que dans trois quarts d'heure, il y a le spectacle des dauphins et on n'a pas envie de louper ça quoi.
Là, c'est quoi? Il y a les chameaux. Je vais vous montrer. Et puis, on va essayer de doubler un petit peu parce que voilà, on va voir. On va voir. On va essayer de gratter un peu pour être au dauphin rapidement et vous montrer tout ça. Oh oui, un petit. Il mange de la crotte. Ah oui, il y a un tout petit bébé. Il mange de la crotte. On mange du caca. Je suis en train de filmer, Clémence. Ah, bon, c'est pas grave. Du yak. Alors regardez, il y a du dromadaire, du yak. Chameau. Ouais, chameau. De boss. Ouais, chameau. Oh la vache. C'est un bison, ça. Non, c'est quoi? Un yak. Un yak. Ouais, je pense que c'est un yak avec les longs poils comme ça. Ah, c'est quand même génial, hein. Il est juste à côté. Ah, bah là, il est pas loin. Ça va, pépère? Tu nous fonces pas dessus, hein. Ah, le mastoc truc. Mastoc, là. Pas dessus. Bravo. T'as une vache à côté, c'est de la rigolade. Il fait caca. Tu filmes quand il fait caca? Ouais, c'est rigolo. Allez, fais ton gros caca. Comme l'enlever ton pied. 14h35. Et c'est à 15h qu'il commence, j'ai vu. 15h15. Papa, ferme. Il est là, il est derrière la grille. Il y a le gris, il y a la grille pour l'instant, il va pas déchirer la grille. Il est là, le. Ok, on va pas le voir. Balèze, hein. Ouais, on va pas le voir parce qu'on a vu, il va se barrer là-bas. C'est un gros chien, hein. Très gros chien. Oui, on le voit. Ouais. Fermez la vitre. Jeanne, oui, t'as vu? Oui. Superbe. C'est l'heure de la sieste, là. Hein. Oui. Excellent. Voilà. Allez, on y va. Allez, go. Bien sûr. Allez, on arrive sur le territoire des éléphants. Super. Allez, c'est parti. Pardon. Je sais pas où ils sont, mais... Là, j'en ai... Il y en a un là, ouais, derrière la voiture. Il y en a un gros temps. Derrière. Ah, c'est balèze, hein. Ouais. Voilà. Il est vraiment super, ce zoo, parce qu'on est... ils ont de la... Les animaux ont de la place, et puis on est vraiment juste à côté, quoi. Bon, le fait de faire la queue en voiture, c'est pas top, Il y a des grilles. On peut ouvrir nos fenêtres. Ah non, mais là, il n'y a pas de souci avec l'éléphant. Ouais. De toute façon, la grille, s'il veut, il peut passer dessus. Hein. Ouais, mais de toute façon, il tombe dans le trou. Hein. C'est lui il a des belles défenses. Lui, il mange de l'herbe, hein. Il mange pas des êtres humains, donc il a aucun. Il va pas nous embêter, lui. Non. Les éléphants, ça attaque si tu t'approches trop des bébés. Ouais, c'est les bébés. Si on embêtait les bébés, là, par contre, il ferait le foufou. Là. Superbe. Est-ce que c'est rapide un éléphant quand il est au max? Il paraît que ça va à 40 km/h. Ouais. Moins vite qu'Usain Bolt. Ouais. Non. Mais sauf que Usain Bolt, il court pas très longtemps. Il a l'air d'être papy, celui-là. Hein. Ouais, mais t'es lent quand même. L'homme le plus rapide du monde, il est... Moi, je veux plus l'entendre ou pas? Mmh. Ça, c'est les bisons. Encore les bisons. Les bisons. Bisons d'Amérique. Là-bas, on va les voir, ils sont juste à côté, là. Je l'ai de plein de fois dans ma tête, hein. Mais super, vous écrasez mon bâton. Est-ce qu'il est capable de venir enlève. Il laisse le bâton pour voir s'il prend ou pas. Tends-le bien à bout de bras. Attends, là, si on avait un paquet de trucs à manger, là, si on avait un truc à manger, là, direct, il serait venu nous chaparder de la chambre. Bon, les bisons. Waouh. Balèze. Balèze. Ah, on a l'albinos. Oui. Ah oui. On est des albinos. Non, nous non. Oh, il y en a une là-bas. Ouais, il y avait un albinos. Le beau bâton. Coucou. Coucou. Super. Énorme celui-là, la tête. Oh la mastar. Vache, c'est papy, hein. Ah ouais. On est vraiment juste à côté, regarde. Wow. Lui, il traverse. Super. Ah, c'est génial. On va le
attraper les dauphins. Non, non, va, c'est bon, non, c'est bon, Roméo, en fait, non, on est dans les temps, normalement, c'est bon. On est bon. Et puis regarde, il n'y a plus de monde là en fait, regarde. Ah, il n'y a plus personne. On est nickel pour les dauphins. Et en plus, il y a le beau temps qui arrive pour les dauphins. Super. Là, on va être au top hein, pour les dauphins, moi je vous le dis. Attends, je Super. Vous avez vu leurs oreilles? Super. Vous avez vu leurs oreilles? C'est juste un trou. Pourquoi? Ah ouais. Je crois que c'est des nandous ou des émeus, ça. Des émeus, ouais. C'est vraiment marrant leur posture. Ouais. Ah, il y a un wallaby là-bas, il y a des petits kangourous là. Il y a un kangourou qui est allongé dans l'herbe. Et là-bas, il y en a d'autres. Bizarre ces lapins, je trouve. Ils sont gros. Hein. C'est lent. Des gros lapins. Ouais. Des gros lapins d'Australie. Allez, le moment tant attendu, on va aller voir les dauphins. Donc, il n'y avait plus de batterie dans l'autre caméra, donc bah, obligé de prendre le téléphone. Hein. C'est comme ça. Vous entendez? Et maintenant, vous allez pouvoir écouter la puissance. Donc voilà, le trou qui monte la tête s'appelle les vents et c'est pour respirer et émettre des vocalises. J'espère que j'ai bien répondu à la question et nous allons pouvoir terminer cette session jeu. C'est bon. Vous avez ma honte. Avec Rémi à gauche, nous avons vu la jolie voix de Et c'est un mec qui vient par Castelou. Avec Julie, nous avons le Kouma. Kouma qui va avoir 4 ans cette année, qui vient faire le sauvage. Suivi d'Alex, qui va avoir 7 ans, qui vient faire le sauvage. C'est long. Il nous faut des dauphins qui savent se retourner. Donc là, les étapes sont accélérées, ils connaissent déjà le comportement. Et on communique avec eux par geste, parce qu'ils n'entendent pas très bien la voix humaine. Du coup, ça va être beaucoup plus simple pour nous et bien d'utiliser des gestes pour se faire comprendre. Donc une fois qu'on a des dauphins qui savent se retourner, juste là, il va refaire. J'ai vu. Et voilà, c'est super. Et maintenant qu'on a leur demander de se mouvoir. Regarde, lui il est en fait. Et regarde, il s'est au-dessus. Donc voilà, comme on disait, pour leur apprendre bien toutes ces choses et la technique que nous utilisons aussi. Et par exemple, pour eh bien, une démonstration de technique de chasse, on va pouvoir aller en Écosse. Imaginez que les gros ballons de foot que l'on va jeter dans le bassin sont des saumons écossais. Les grands dauphins vont utiliser leur nageoire caudale qui est très très puissante pour assommer le saumon et pouvoir le récupérer ensuite endormi. Alors attention aux têtes, ça peut être un peu impressionnant. Ça c'est, il va envoyer le ballon. Et comme vous pouvez voir, vous avez les deux petites naissances qui commencent à découvrir le ballon et à s'amuser un petit peu avec.
Et là maintenant, je vous propose de partir au Portugal ou alors ballon pour en Caroline du Sud. Les grands dauphins vont s'amuser à effrayer les bancs de poissons pour les forcer à s'échouer sur la berge. Donc regardez en face. En fait, ils vont s'échouer eux aussi sur le côté. Comme ça, quand les poissons voudront retourner à la mer, eh bien, ils tomberont directement dans la bouche du dauphin. Oui, sur l'autre côté, là. Il est encore au bout du bec. Et ensuite, nous pouvons partir dans les eaux équatoriales. Il faut savoir que les grands dauphins ont une super vue, ils sont capables de corriger la diffraction de l'eau. C'est-à-dire qu'ils voient aussi bien à la surface de l'eau que dans l'eau. Et du coup, pour attraper des exocètes qui sont des poissons volants, eh bien, ils n'ont aucun mal à les attraper en plein vol. Donc voilà pour les différentes techniques de chasse que nous pouvons observer de naturel. Alors, petit pépère, tu regardes tonton ou pas? Non, tu regardes pas ton tonton. Bon, il est funky. Oui. Il est bizarre. La grosse poche. Pas mal. Non, petite bête. Coucou, petite bête. Ah non, faut pas les toucher. C'est vraiment un bébé. Oh la vache. Impressionnant. Aussi près. Là, c'est bien, c'est quand tu regardes les doigts. Les doigts, c'est énorme. Ah ouais. Mimi. Ah, petit pépère. Coucou. On est vraiment. Je tends la main, je peux le toucher. C'est vraiment génial ce parc. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas, je pense un marabout. Ouais, je pense que c'est un marabout. Ah oui, c'est un marabout. Et la grosse tortue.
C'est dommage, je l'ai loupé. Elle nous disait bonjour tout à l'heure. Ah ouais. Non, le marabout. Marabout. Ah non, grue, non. Ah non. Ah bon, c'est une grue. Moi. Coucou la tortue. Ah les grues, grues cendrées. Superbe. C'est beau ça. Hein. La grue royale, trop beau. Coucou. Elle cherche des petites bestioles à manger. T'as vu ses cheveux, ils sont plus dorés. Et pas les autres. Oui, une mini biquette. Puis là aussi, oh, l'espèce de piaf. Excellent. Ah, ibis, voilà. Mais dis à papa. Oui. Tu veux faire quoi? Regarde. Oui, j'ai vu. Tu peux m'aider? Oui, oui, je t'aide. Attends, lui, attention. Eux, ils sont un peu one again. Eux, alors, petit pépère. Ma soeur, c'est déjà fait mort. Par un eux, ils ont peur de rien. Ouais. Wow. Non, fais attention, laisse, fais pas attention à tes mains. Parce qu'ils peuvent mordre un petit peu. Il va sauter là. Excellent. Un petit pépère. Tiens, je peux lui donner ma peau de banane. Non, non. Peau de banane, on va mettre à la poubelle. Il y en a un autre. Ah. Il y en a un autre. Excellent. Oh. Bah oui, avec ta banane. Bah oui. Attends, on va voir ce qu'ils vont faire avec. Voilà, ils sont contents. Voilà. C'est réglé. Bah, ils vont faire quoi? Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont essayer de la manger. Mais ils ont vu que ça se mange pas. Une banane. Oh. Excellent. Ah! Alors? Il est là! Ouais, ouais, il est en train de la manger. Excellent. Alors, c'est un Saint-Marry jaune singe écureuil. Alors, Coco? 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 Salut. Attention, ton bâton, on est... Coco. Alors Jeanne, il est bien ou pas le parc? Jeanne. Oh, oh. Oui. C'est grandi. Mais oui, le hara de Buffon. Grand hara vert. C'est pas des tapirs, non, c'est pas des tapirs. C'est des tapirs terrestres en fait. Ah voilà, ouais, ouais, ouais. Moi je pensais que c'était un pécari, un autre truc. Ah, en fait, pécari, ouais, ça peut être un tapir. Ouais. Les temples de la jungle, nous voilà. Et on était à la cité des Incas juste avant. Super. Waouh. Là, ouais, la loutre à pelage lisse. Alors elle est où cette loutre à pelage lisse? Est-ce qu'on la voit? Ouais, elles sont là-bas. Et là, il y a d'autres pélicans. Des pélicans, plus des pélicans un peu affreux quand même par rapport à ceux de... Ouais, ils sont un peu moins balèzes. Ils ont mis les moins classes, ils les ont parqués ici, quoi. Superbe. C'est un peu leur Malakoff à eux, quoi. Ouais. Attends, je filme. Tu coupes en montage. Coupe. Pas avoir de problème. Hein. Alors, les loutres. Magnifique. Coucou. Ils nous regardent. Ah ouais. Alors lequel? Oh, la petite fille là, regarde, elle a l'air appétissante. Ouais, oui, elle est appétissante, la petite fille. Non? Ah, tu préfères le monsieur avec le téléphone? Oh là là, il me regarde bizarre. Ouais. Attends, je vais essayer de faire un petit zoom, mais avec le téléphone, c'est pas pratique. Ah, puis j'ai pas de stabilisateur, j'aurais dû prendre la GoPro, c'est dommage. Regarde, reviens. Oula, il va tenter. Ah, il se passe des trucs. Oh, il se passe des trucs là. Il y a un autre qui arrive là-bas. Oh la vache! C'est carrément balèze. Grand chat, quoi. Après, ça pèse pas lourd. C'est l'un des moins massifs. Mais, ouais, mais c'est le courbis. 120 à l'heure en pointe. Oh, 500 mètres. Là. 8000 euros. Vache! Même plat? Wow. Non, les gros, c'est une brochette de poulet. Les mouches, ah, excusez-moi. Ah non, mais...
Putain, il va devant l'autre vitre. Oh, ah, les boules. Putain, viens. Waouh. Monstre. Attends, on retourne à l'autre vitre. C'est long. Super. Ouais. Il y en a partout. Là, c'est ma peau de banane. Ah, bah. Pourquoi il y a ma peau de banane? Il y a une banane. Papa, c'est ma peau de banane. Je pense pas que t'as peau de banane. Bah, et les enfants? Vous êtes dans la cage, vous êtes avec les, vous êtes des singes ou pas? Non, non, c'est non. Pas drôle. Ah, il y a le cul de singe rose. Les fesses, pas le cul, c'est bon. Mais il y a le rouge. Oui. Y a, eh, là-bas, je le vois. Ça s'appelle le cul de singe. Malin comme un singe. Ah, il y a les tigres après. C'est macaque résus. Ah ouais. Magnifique. Allez, on va voir les tigres. Allez, tigres. Super. Ah, il est là au fond. Il est là, regarde, il y a des. Allez, viens par là, viens nous dire bonjour. Ah, tu vois, il fait des petits allers-retours. Ah bah, on peut peut-être aller, il y a des vitres là-bas. Peut-être. Allons voir. Ah, superbe. Superbe. Non, il ne va pas partir. Regarde. T'imagines ça va suite que la voiture. Ouais. On va sur les routes qui vont vite. C'est impressionnant quand même. Wow. Allez, on va rejoindre papa. Viens. Ah voilà, Planète Sauvage, c'est fini. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bien alors, Benjamin? Bah, c'est bien, toi, bah, moi j'ai un peu l'impression d'être devenu un sauvage hein, maintenant, parce que Planète Sauvage, du coup. Non, ouais, c'était top. Ouais, ouais, c'est un super, super parc, il faut le faire. Voilà, si vous venez à Nantes, c'est sur la route de Pornic, c'est pas mal du tout. On peut les parrainer aussi, hein. On peut vous parrainer, moyennant. Ah, oui. C'est quoi, 2,50€ on avait dit. Ah, je... Non. Et donc, bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On n'oublie pas ça, c'est comme vous voulez. Et puis, bah, abonnez-vous. Allez, bye bye, à la prochaine. Ciao. Ciao.